Lors de ma visite aux pyramides d'Égypte, j'avais l'impression d'être le seul à ressentir la présence des milliers d'ouvriers morts au chantier. Les escaliers étaient bruyants, tellement qu'à chaque pas j'entendais mon écho. Je me suis arrêté pour écouter, l'écho continuait. On nous a tous posé cette question. Qu'est-ce que tu ferais si tu rencontrais ton clone? Personnellement, je le vois tous les jours. Il est juste bloqué de l'autre côté du miroir. Toutes les semaines, je fais le ménage de mon appartement. C'est très bizarre, car étant un homme chauve, imberbe et vivant seul, j'arrive toujours à retrouver des cheveux tombés par terre. Ma mère n'était pas si mauvaise, mais je préférais tout de même mon père. En y repensant, je l'ai peut-être juste trop cuite. Le livreur me donna la pizza et dit « Bon appétit à vous deux !» J'étais juste content de ne pas être le seul à le voir. Je vais tuer quelques personnages dans le livre que je suis en train d'écrire. Ça pimenterait un peu mon autobiographie. J'ai travaillé de nombreuses années dans un hôpital psychiatrique. Lorsque j'ai arrêté, on m'informa que je n'ai jamais été salarié, mais que j'étais un patient. C'est fou ce que la folie peut vous faire croire. Je suis sur le point d'avoir l'homme parfait. Dès que j'aurai fini de coudre les meilleures parties de mes ex, je l'aurai. Le jour de mon anniversaire, on m'organisa une fête surprise. Le problème était que je ne connaissais aucune des personnes qui se trouvaient chez moi. Bonjour, merci Gennaro Gaming et Louis Pont pour vos phrases flippantes. Vous pouvez laisser une phrase flippante en commentaire si jamais vous voulez passer dans la prochaine vidéo. A plus et abonnez-vous.